Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment afficher un compte à rebours de 10 jusqu'à 0 avec affichage d'un nombre par seconde. Alors on fait fonctionner l'exemple. Voilà, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0. Boum. Voilà, et après ça s'arrête tout seul le script. Alors, l'état de notre jeu, donc c'est un compte à rebours qu'on va faire diminuer. Quand on est à zéro, on veut que ça se ferme automatiquement. Alors, la couleur de fond de la fenêtre, le compteur, il est en bleu saphir, hein, comme on a vu, hein. Un peu comme ça, voilà, on peut se le mettre dans un coin pendant qu'on parle. Voilà, il est en bleu. Largeur, hauteur de la fenêtre. Alors ça, c'est la notion qui est très importante dans cet exemple, c'est le FPS, donc c'est frames par seconde, c'est le nombre d'images par seconde. Donc nous, comme on veut un rafraîchissement une seule fois par seconde, on n'a besoin de rien faire d'autre, on dit que ce FPS, il est égal à 1. Alors pour gérer cette constante, il va falloir qu'on crée une horloge, et c'est cette horloge-là donc qu'on obtient avec le module pygame.time. Donc, qui nous permet de créer un objet clock, c'est cette horloge qui va attendre à chaque boucle, à chaque tour, voilà, on traite les événements, puis après on va attendre pour qu'il s'écoule une seconde, pas plus d'une image par seconde. Alors après, donc voilà, on se définit une fenêtre, le titre, on la remplit, donc notre compteur qui vaut initialement 10, et après on a notre boucle, la boucle de notre jeu. Voilà, je vais diminuer un petit peu pour qu'on la voit en entier. Voilà. Donc on a toute notre boucle ici. Et dans notre boucle, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a un traitement éventuellement d'un clic sur la case quittée. Après, si le compteur est égal à 0, c'est que c'est fini. Donc quand on commence, ce n'est pas le cas, parce que le compteur vaut 10. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met la couleur de fond. Ensuite, une fois qu'on a mis la couleur de fond, il faut qu'on calcule ce message-là. Donc, on demande à la police de nous faire un rendu sur deux caractères du message, voilà, compteur, du contenu de compteur. Et ça nous donne un message. Et après, on va bliter, on va afficher ce message. Alors là, on le fait à la position 80-20. Donc, 80, c'est ici, et 20, c'est ici. Après, on affiche, on décrémente le compteur, donc de 1. Et après, c'est là que c'est important, on fait un horloge, on utilise la méthode tick avec le nombre de FPS. Donc l'horloge se débrouille pour pas qu'il y ait plus de mises à jour que le nombre qui est donné ici. Donc on a dit, nous, notre FPS, il vaut 1, donc c'est au maximum une mise à jour par seconde. D'accord? Alors c'est important hein, donc de bien comprendre ce mécanisme d'attente parce que... Admettons, si j'ai pas cette attente, bah, quand je vais relancer, je vais pas voir grand-chose, ça va aller très très vite. Ça s'affiche, ça se ferme tout de suite. Alors je pourrais, pour voir un petit peu, par exemple, on pourrait dire avec 10 000, avec 1000, pardon, bah, on n'a pas trop le temps de voir. Voilà, alors avec 10 000, ça va faire un peu plus de temps. Voilà, vous voyez là, l'affichage est très très rapide. Donc ça c'est quelque chose qui, voilà, on peut. Le seul moyen de le gérer, c'est on fait appel. Donc au module pygame.time pour obtenir une horloge et faire notre attente à chaque fois. Là, CTRL S, si je relance en partant à 10 000, donc là c'est 10 000, hein, donc voilà. Donc on est en train de diminuer peu à peu. Et là, comme on fait qu'une mise à jour par seconde, ça risque de durer très très longtemps. Donc je ferme. Voilà, il y a un petit délai parce que comme on. Dans la boucle événementielle, on ne passe qu'une seule fois. Bah, il faut attendre une seconde avant que l'événement quitte soit traité et qu'on sorte de la boucle pour arrêter d'exécuter ce script. Écoutez, sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Au revoir.